des gens contaminés. Et nous sommes arrivés à cela. Nous sommes quand même à un chiffre au-delà de 7000 gestes par rue. Et on me dit aujourd'hui qu'on peut aller très loin avec les capacités. Nous avons beaucoup de capacités en matière de tests. Donc c'est le premier défi qu'on a gagné. Le deuxième défi qu'on a gagné très tôt, avant beaucoup de pays, c'est le médicament. L'hydroxychloroquine. Voilà. Nous l'avons utilisée. Elle a donné de très bons résultats. Elle continue à donner de très, très bons résultats. Le troisième défi, c'est celui des masques. Les masques, aujourd'hui, nous avons fait une campagne nationale. Mais les masques, attention, nous avons commencé déjà à exiger l'utilisation des masques il y a déjà 2 mois. Contrairement à ce que prétendent certains. Mais aujourd'hui, nous voulons que le masque soit obligatoire et que tous les citoyens utilisent le masque. Nous sommes en train de le faire, nous avons fait une campagne. Aujourd'hui, nous avons distribué entre les 6 millions de la PCH de masques et les 3 millions qui ont été distribués à travers les masques, ce qu'on appelle les masques barrières. Nous avons distribué aujourd'hui 9 millions de masques. On va continuer, on ne va pas s'arrêter. Mais aujourd'hui, l'autre défi, c'est celui du citoyen, la prise en charge, la conscience du citoyen. Je pense que les citoyens sont petit à petit en train de se rendre compte de l'importance, de l'exigence de l'utilisation de ce masque. Et le jour où le citoyen se prend en charge et comprend que c'est un problème de responsabilité individuelle et de responsabilité collective, nous allons régler le problème à la fois sur le plan de la santé et sur le plan de la prise en charge de la conscience citoyenne. Donc il y a 2 aspects. Il y a l'aspect citoyenneté qui est en train de se développer de plus en plus dans notre pays. L'Algérien sont en train de comprendre que leur rôle est essentiel et que tout ce qui se fait suit pour l'intérêt du citoyen et de notre pays. Nous sommes arrivés à travers cette période, cette expérience, à arriver à créer dans les faits un véritable front patriotique interne qui a créé un ciment entre les Algériens, entre les gouvernants et les gouvernés. Et c'est ça l'avenir, Inch'Allah, de notre pays. Merci beaucoup, M. le ministre.